Salut à tous, ici Cyber, bienvenue pour cette partie 8 du playthrough de Super Mario RPG. J'avais un trou là. Alors la dernière fois on s'est arrêté à... je ne sais plus comment elle s'appelle cette ville. Je vais juste y arriver mais c'est merveilleux. J'ai bien le nom. Ouais, une maison vide. J'aime les maisons vides. Attends, il n'y a pas un petit bloc caché là? Un petit bloc. Oh, pfff. Arnaque. 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 Ah mais non mais rentre pas dedans. Bonjour. Paema porte secours en montagne. Putain, ils nous apprennent qu'il y a des bugs cachés et ils nous en mettent jamais. C'est ouais, super. Hein? Mais c'est le Bowser. Bonjour. Goomba, Bowser, des allées se sont enfuies. Qu'allons-nous faire? Kamek, pas magique ou pas. Nous ne savons qu'affronter Mario, et ces types sont trop nombreux. Silence. Je suis le plus méchant de l'univers, n'oubliez pas ça. Alors là, c'est le moment où il faut insérer des rires préenregistrés, en fait. Pour changer. Mais si Mario venait à savoir que j'étais éjecté de mon propre château, ma réputation serait ruinée. Le mec, il t'a... Ça fait déjà deux fois qu'il le sait, même trois. Il t'a vu en plein direct se faire virer de ton château, alors... J'ai une image de Marc à garder. Montre-leur de qui est le chef dans le coin. Et comme par un pur hasard, il va descendre et complètement négliger Mario qui se trouvait à 5 mètres. La logique dans le jeu... Fuck la logique. La logique, c'est pour les faibles. Les gens font de leur mieux à l'intérieur, je creuse de l'extérieur. Nous devons les aider à sortir. Ah mais c'est ça la fameuse montagne, je savais qu'il y aurait de mauvaises nouvelles quand cette étoile est tombée ici. Il y a des bananes un peu partout, là. Je comprends pas trop le délire, mais... Putain, mais ça va être sacrément le bordel. Attends, il y a un petit bloc caché dans le lot. Tu bloques. Tout petit bloc. Tu bloques. Allez. Un petit bloc, pouf à plaisir, pouf à plaisir, pouf à plaisir, un petit bloc, enfin un petit coffre, c'est un coffre. Ah, je vous ai tous, tuez tous les chatons, tuez tous les chatons, tuez tous les chatons. Bonjour. Je voulais une trouver ses écrasés en montagne, je voulais aller voir, mais maman m'a interdit. Ma a dit qu'elle allait voir ce qui se passe, elle lui prend son temps. Ah, voilà la fameuse entrée. Ça est tombé sur la montagne, et puis j'ai des enfants, en plus il y a des amis derrière également. Marie, tu dois nous aider. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle travaille encore? Oui, comme tu les as, tout le monde creuse, ils n'arrêteront pas. Mamol. Bon, recyclage de musique, hein. Enfin, personne ne l'a vu. J'espère que les enfants sont ok. Non, j'espère que les enfants sont sains et saufs, pas ils sont ok. Non, non, ça le fait pas, non. Ouais, j'espère ouais, que les enfants ils sont carrément check, ouais, ils sont. Tu comprends, ils sont complètement mis à jourer, enfin, updatés, voilà, c'est trop le swag, quoi. Je sais pas ce que tu ressens, mais d'avoir le cafard, ça nous aide pas. Bonjour. Non, même pas. Ce que je lui ai dit. Mais en même temps, je me sens plutôt dans le même cas. Ne pouvoir aller nulle part, vraiment jamais à eux. Tu vois là-haut, c'est un scène d'entrée de mine. Ils ne pourront pas y aller. Seulement ce type, Mario était là, il aurait pu l'atteindre vite fait. Oh, bah c'est bizarre. Que c'est incroyable. Que je sois un oncle Goomba, ce n'est pas lui là-devant. Mario, notre sauveur. Tu connais la nouvelle? Quelle nouvelle? Eh bien, Dina et son petit frère sont allés jouer dans la mine. Scénario basique et typique, juste pour se trouver, enfin, enfermé. Voilà. Et non, mais toi, elle est écrasée dedans. Maintenant, elles sont bloquées à l'intérieur. Alors, papa qui est parti à la recherche est aussi piégé. Attends.
comment il a pu passer vu le bordel qui encombre la voie. À moins d'être un spectrum, je vois pas trop comment il fait. Bon, bien sûr, j'ai envie de répondre non, mais là c'est Marius. Bien, l'entrée est en haut. Vas-y, grimpe sur nos épaules. Date épique échelle. Ouais, mais c'est bien marrant, mais... Super! Ah là, j'approuve le LOL carrément, là, c'est... Ah, c'est le... Ouais! Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être m'expliquer où c'est que je dois aller? D'accord! Alors, le background est foutu d'une façon à ce qu'on... Yo yo, t'es fou qui. Ah, c'est vrai que c'est de la Super NES en même temps, donc la 3D isométrique, voilà. Ça en est encore à ses débuts. Regarde mon doigt, il va te faire du mal. Magmite, on dirait un nom de Pokémon. Putain, ouais, ya ya. Ouais, ya ya. Ça savait bien que je t'ajoute un nouvel item, toi. Je te montre du doigt, tu souffres. Et oui, c'est ça, Mario. Vous comprenez pourquoi montrer du doigt, c'est mal? D'accord. Marteau, ça fait un... deux pauvres points de dégâts. Je balance une attaque un peu badass, et ça y est... T'es mort! Expérience 4... Bon, une boule de feu sa mère. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh misère. Est-ce que c'est un nouveau Enigma? Est-ce que c'est un nouveau Pokémon? Bon, n'empêche, c'est un type vol. Je persiste. Donc, en... toute logique. Enfin, vas-y, attaque le seul qui a besoin d'attaquer, merci. En toute logique, comme d'habitude, le vol craint l'électricité. Vous avez ruiné toute mon enfance là. Depuis quand le vol ne craint pas l'électricité? Expliquez-moi. Mais je ne comprends pas votre logique, monsieur. Moins qu'il soit dragon, et j'ai été... What? Attends, tu as plus mal quand tu entends un son de cymbale dans les oreilles que quand on t'en fout un gros fou de fatal foutre dans la gueule? Oui, j'ai dit fatal foutre, ça vous gêne? En tout cas, il a l'air d'avoir un peu beaucoup de HP. Expérience 5. D'accord. Bon. Ah, enfin un ennemi qui a son nom correct. Merci. Merci. Ah, il se fait quand même déponter la gueule. Wow. Jamais inventé un mot aussi philosophique. Déponter. Alors, on lui arrache le cul. Et on lui sort... Si on sort l'image de l'œuf... De l'œuf comme une merde... Ça risque de pas le faire, quoi. D'accord. Non, mais on est d'accord, hein. Cluster. Putain, mais y a vraiment des ennemis, mais qu'on voit... Mais vraiment nulle part ailleurs, hein. ça y'a pas de problème. Bim. Psyché. Oh mon dieu, tu m'as attaqué avec des petites étoiles. J'ai peur.
et il en est mort en plus. Bon. Alors, attaque, défense, ouais. Eh ben, je vais augmenter ça, parce que maintenant tu as un item. Maintenant, tu seras quelque chose, Malou. Bon, tu... Ah, j'ai une atteinte niveau 7. En plus, il y a du double level up. Max HP... Putain, en fait, il est badass. Ah, par contre, défense, c'est pas génial. Et alors là, concernant la magie, c'est dérisoire. Ça va pas améliorer grand chose, mais bon. Bonjour! Je suis complètement stupide et j'ai même mis sur une poutre. Il y a un objet rare caché dans la mine. Si je le trouve, je le vendrai à quelqu'un en ville. Mec! Il y a deux gosses qui se sont fait enfermer dans une mine. Il y a leurs parents qui doivent les chercher. Et toi, tu me. Déjà, tu sors d'où? Et tu me causes d'un truc dont j'en ai strictement mais rien à foutre. Mesdames et messieurs, la logique selon Super Mario. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? C'est de pire en pire. Allez. Cristal. Non mais... Leave Mario alone! Ouais. D'accord. Mais encore. Bon, ça c'est déjà fait. Psyché. D'accord, tu exploses. Il m'a tué. Genou. Enfin, pas Genou, Malo. Putain, maintenant je les confonds, ça y est. Bon, alors là, on a quoi? D'accord, là, c'est le truc fermé. D'accord, en fait, ça doit servir pour éviter de nous. Bon. Là, ça sent encore le labyrinthe à la mort moelle-neu, là, mais bon. Ouais, peut-être il est un peu malo. Non, après on a encore le temps pour le reste, donc... D'accord. Oh les belles pièces, prenez-les. Écoutez, les 106 de 2, c'est pas non, c'est d'accord. Mais... Il m'a volé mes pièces. Je vais pas encore faire une course poursuite. Oh misère. Non mais si tu veux, j'ai rien contre personnellement, mais... D'accord, alors la seule personne que j'ai pas encore touchée, c'est la seule personne qui meurt. Il a le jeu excellent Super Mario. Je pourrais en faire un des débats, ça. Je pourrais en parler en long, large, en travers. Ça sera toujours aussi aberrant. Hein. Mince, c'est vrai que c'est une impasse. Bon, pas d'inquiétude, j'ai une bombe, jamais je ne sors sans elle. Voilà, ceci est une explosion, les amis. Eh oui, c'est ça la technologie. Bon là, vous voyez pas, je viens de faire un epic facepalm, là, parce que franchement, c'est un peu du foutage de gueule. Le mec, comme par hasard... se trimballe avec une bombe dans une mine. Vous savez que une loupiote, loupiote peut faire exploser la grotte. Alors si vous allez
à la bombe, c'est pas le chemin qui va être déblayé. C'est vous. Votre cerveau qui va être déblayé complètement par terre, là. Leave the logic alone. Laissez-la mourir. La logique est morte. Morte et enterrée. La logique est en train de dire merde, je ne veux pas, je veux plus revenir. Laissez-moi tranquille. Oui, la logique parle très souvent. Vous le saviez pas, mais bon. Bon, t'es pas non plus faire ça tous les 15 du mois là, ça. Oh putain, excusez-moi, je filme un peu tard, on va dire. C'est vrai que c'est à part ça, c'est ma marque de fabrique de tourner des vidéos à 1h du mat, c'est... Je pourrais tourner tranquillement, pleine journée, mais non. Non, je fais ça à 1h du mat, tranquille. En plus, je suis en vacances, donc... Je me couche à 4h du mat si je veux. Je suis en vacances. Mais quand même, ça fait assez mal. Mario, tu as failli mourir. Si on était en Nuzlocke Challenge, ça pourrait être marrant. Le mec, tu dois essayer de tenir sans mourir, et si tu meurs, tu pourras utiliser les personnages. Et si tu meurs avec Mario dès le début, tu fais comment? Ça, si Mario meurt dès le début, qui te reste que Malo. J'ose même pas y penser. Vous imaginez faire un boss avec que Malo? Ouais, ça en viendrait vite chiant, hein. Meurt très vite. Allez. Ta-da-da-da. Putain, Epic Echo, quoi. Epic Echo. Bon, fail. Bon, je sais pas vous, mais alors Dream Team, je l'attends, mais... J'ai envie de l'avoir tout de suite, là. Tout de suite. Je le veux. Attends, en même temps, il a l'air tellement énorme. Les musiques sont déjà géniales, et pourtant j'en écoutais que certaines, quoi. Je veux ce jeu. Et alors peut-être que je ferai un test vidéo. Mais vraiment spécialement pour la chaîne, parce que voilà, parce que je me suis fait toute la saga, donc ça pourrait être intéressant. De toute façon, je ferai déjà un pas dans main là-dessus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Non, c'est pas là. T'es monté pour rien, Jean-Jacques Cunet. Michael Bay est passé par là. Michael Bay a financé ce jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Crook. Mais te barre pas. Pièce 20, deux gens récupèrent pas mal. Funky Sanglot, attendez juste, nous en finissions. Soit aujourd'hui, soir de... Epic. Fail. De traduction. Soit aujourd'hui, soir demain. Misère. Ou un autre jour. Il n'avait pas les pièces sur lui sauf une fleur. Je t'aime.
Et en plus, ça me régène tous mes PF. Oh, mais nous revoilà notre Pokémon! Trouvecto! Merci pour mes oreilles. Bon, bah voilà, t'es mort. T'es mort! Bon, t'avais l'air d'avoir craint les symboles, il me semble. Ou pas. Non mais, au moins j'ai cru qu'il avait encore attaqué. Ouais, il craint bien les cymbales. Sirop d'érable. Oh misère. T'as date écho quand même. Ouais. En fait, faut que je l'attende, tout bêtement. Putain, il craint beaucoup les défense. Évidemment, maintenant que j'ai un bonus de défense, eh bien, il va attaquer quelqu'un qui a une bonne défense. Super. Regarde mon doigt, il fait peur. Il me semble que ça devrait suffire. Non, c'est pas vrai. Ah. Voilà, soit il y a eu un lag, soit c'était volontaire, je sais pas. Bon, on va attendre tout bêtement qu'il arrive. Puisqu'elle a l'air de faire un cycle. Voilà. Je peux continuer longtemps. Putain, la bombe. Je gaspille peut-être un peu mes super, de toute façon je ressortirai pour aller à l'auberge, c'est que ça. Aïe, t'en veux vraiment à Geno le pauvre. Putain, ça fait du dégât quand même. En fait, il faut lui donner un item pour que ça soit vraiment utile, le pauvre Geno. Enfin, le pauvre Malo. Tu veux tes pièces? Tu devras tout d'abord me battre. Je rêve m'a volé mes dernières pièces, là. Champ. Champ. Mais c'est pas un champ ça. Ça c'est une étoile. Faudra vraiment que tu révises tes
ton bestiaire, mon pote, parce que ça, c'est pas un champ. Hein. Putain. Malo est celui qui fait le plus mal. Ça me trouve le cul. C'est pas un champ non plus. Non, non, change pas. Non, mais tu n'y arriveras pas. Non, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Attends, vrai. Ah, mais putain, en plus, ils m'ont volé. Il m'a volé tous mes items, le salaud. Donc, en fait, je peux même pas me régène. Ouais. Oui, assez, assez. Voilà ta Camelot. Ciao, bye bye. D'accord, c'est le I de l'inventaire. Récupère pièce et ramasse une bombe, bitch! Trop le terrorisme. Le terrorisme approuve cette méthode. Bon, je sais pas, vous avez pas une bombe là, ou pas. Bon, allez, on va à l'auberge parce que j'ai un petit peu digéré et surtout que j'ai presque plus de. Comment ça s'appelle? J'ai presque plus de pamphlets. Voilà. Comme ça coûte pas très cher et je suis tout bon. Et puis ça me donne l'occasion de sauvegarder un peu. À Molleville. La ville de la molécule. Oui. Moi, je suis un scientifique. Moi, la molle, c'est pas les... quelqu'un de molasson et qui est. Non, rien, la molle. La molle, c'est un assemblage de 6, je sais plus combien de molécules. Fois 10 puissance. 12? Non. Allez, on s'en fout, de toute façon. C'est pas le moment de. Alors ça, alors. Bon, bah alors ça veut dire que forcément j'utilise la bombe pour ça. Non, même pas. D'accord. Faut que j'utilise où la bombe exactement? Non, parce que je veux pas tellement foutre en l'air la moitié de la mine juste par pur plaisir. Donc, si tu pouvais quand même me guider, ça pourrait être sympa. Bon, bah, visiblement, il y a que le. Non, 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 non. Il y a que le tonnerre qui a marché sur ces saloperies. Le seul endroit du jeu, peut-être, où Malo sera utile. C'est pour dire. En fait, c'est pour dire, ouais, en fait, tu vas bientôt changer, donc histoire que tu l'utilises un petit peu. Tu l'utilises un petit peu avant de le virer définitivement de ton équipe. Ouais, il faudra peut-être. Voilà, tiens, ça pourrait être utile. Rente Malo est toujours aussi lent, ça fait plaisir. D'accord, en plus ça fait même pas de dégâts. Voilà. Tang. Putain, 117 de dégâts avec Malo. C'est prestigieux, les mecs. C'est prestigieux. Attends, je viens d'où là? Je viens de là. Bon, d'accord. Ah, peut-être c'est à partir de là qu'il va falloir
tout explosé. Ah, voilà. Sûrement. Sûrement, monsieur. Ce charmant monsieur va... Enfin, en fait, ils reprennent souvent des textures. Ça devient super nécessaire. Hein, que tu trouves un truc utile. Mes enfants, Dina imite... Alors, une minute de silence pour ces pauvres enfants qui ont vraiment hérité d'un nom de merde. D'ailleurs, ils sont informés Is. Is. Ou là, je sais pas. Non, c'est Is. Is. Voilà, ils sont Is. Is. Non, ce n'est pas mon micro qui vient de retomber. Non, non, non. Prenons un chemin. Pas molle. Pas. Voilà, Michael Bay. Michael Bay. Voilà, j'ai déjà trouvé mon nom de titre. Michael Bay. C'est mon fond, mais merci Mario. Alors, je pense pas que tu aies raison, c'est un fardeau pour toi. Comme toi pour trouver les gosses. Les gosses. C'est ses propres enfants, il appelait ça les gosses. Si, explique à me retourner après demain. Bon, tour de sauvegarde? Non, même pas, même pas. D'accord, bon ben. Bonjour! Vraiment, je pouvais pas attaquer la sphère, je ne sais pas pourquoi. Bah non! D'accord, bah niche, niche bien. Tu vas mourir! T'es mort! Ouais, voilà. Super. That epic, that's so epic. D'où tu sors? À quoi tu sers? Nom de Dieu. Un masque-casse qui vient m'agresser à coups de wagon. C'est de pire en pire. Mario, c'est plus ce que c'était. Enfin, quoique non, en fait, c'est le contraire, puisque c'est un vieux jeu. Bon. Bon. On en est au niveau des 52, 25 déjà. Oui, mais parce que lui, il a un niveau inférieur, donc ça qu'il peut rattraper quoi. Papa. Cymbale. Voilà, il m'explose à la gueule. C'est toujours un vrai bonheur. T'es mort. Alors je me paye, mais juste. Voilà, un petit coup d'eau parce que ce serait qu'à force de parler. Il y en a qui pourraient dire ouais, mais tu pourrais te taire aussi. Non. Juste pour pas leur faire plaisir. Alors, super. Des pièces, oui, régulière.
so more pieces. Bon, bah, apparaît-moi dans la gueule, j'ai envie de dire. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Spack! Ce bruitage est absolument horrible pour les oreilles. Puis franchement, si tous les ennemis ont la même attaque, ouais. Flamme, 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 flamme. Je te montre du doigt très fort. Non mais pas lui. Oh, c'est belle humeur. Et on va le soigner tout de suite. Ça, ça fait. Remontant, parfait. Oh putain. J'étais à la limite de combattre. Bah, de toute façon, je vais combattre. J'aurai pas tellement le choix, je pense. À moins que j'arrive à. Voilà. J'ai essayé de faire le plus de mal à tout le monde. Le plus de mal, la souffrance. 43. Voilà, ça c'est... Une attaque qui fait 43 dégâts, c'est forcément une attaque qui marche. En plus, ce qu'il n'a pas compris, c'est que j'habite dans la Haute Loire, le 43. Voilà. Bien ma vie, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est clairement ça. The fuck is that? Bon. Raté. D'accord, bon, on va revoir notre ami le Pokémon. On va faire un rayon géno sur ce truc. D'accord. Alors là, c'était censé être une attaque. Bon bah, je pense que ça a quand même fait un peu mal. Hein. Allez, multi-attaque. Bon allez. Il va me faire beaucoup de dégâts et il va mourir. Même pas. Je te montre du doigt très fort. HP max, ça, parfait. J'ai même pas besoin de heal. Level up! La défense, encore ça va, ouais. Ça... Géno Turbo. C'est quoi Géno Turbo? Spécial. Attaque à peu près Y juste avant la fin. Bon, d'accord. Niveau 10. Niveau 10, d'accord. Ils apprendront tous les deux une nouvelle technique au prochain niveau. Et justement, c'est quand le prochain niveau? C'est pas intéressant à savoir ça. 24, 49, d'accord. Eh ben, truc de sauvegarde, c'est parfait! Là, on est pile sur la durée de l'épisode. Voilà, il est 2h20 du mat. Je commence légèrement à avoir mes yeux qui me disent ferme, fermé, fermé, fermé. Pourquoi tu les réouvres? Pourquoi? Arrête, arrête de faire ça. Ah, tu te fais du mal. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère... Alors là, franchement, quand vous dire dès que je ferai
une nouvelle épisode. Déjà, je peux vous le dire que je ferai ça après avoir uploadé. Enfin, j'alterne. J'alterne entre Terraria et Super Mario RPG. Donc, n'hésitez pas à aller voir un peu de Terraria si vous intéresse pour voir nos délires avec Kae. Et de temps en temps à Herbern et bientôt Origin of Night, qui sera notre prochain guest. N'hésitez pas aussi à aller voir Don't Starve. Darvern, un régal. Ouais. N'hésitez pas aussi d'aller sur la chaîne Darvern, ça peut être aussi sympa. Avec sa dernière vidéo, la machine à caca, un vrai régal. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao, ciao!